Constitution. Attends, attends. Belle.
dit de venir parce que vous ne voulez pas m'écouter. Ok, attendez, je le dis, il vient. De la ville de Lubumbashi adressé au bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa en date du 29 septembre 2014. Oui. Monsieur le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasa, oui. Au nom de tous les étudiants évoluant au Katanga, plus particulièrement à Lubumbashi, oui. Dans les universités ainsi que dans les instituts supérieurs ici, représentés par nous, nous vous transmettons en guise de notre appui à votre générosité et courage. Ce mémorandum dont la quintessence se présente comme suite. Premièrement, nous vous félicitons beaucoup de votre courage politique que vous avez pris en main de dire tout haut ce qui se disait tout bas au sujet de la révision de la Constitution. Nous vous remercions grandement de la reconnaissance de bienveillance que vous manifestez à l'égard de notre chef de l'État. Citons M. Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Merci, Pazzo, pour avoir fondé une jeune démocratie en croissance dans notre pays. Et il a le mérite de la protéger pour prétendre au statut le père de la démocratie congolaise, à l'instar de l'ex-président burundais Pierre Buyoya, qui, à l'heure actuelle, jouit de privilèges et immunité à la durée de l'histoire de l'humanité. Troisièmement, nous vous exhortons à dire toujours la vérité. Car, dit-on, ton frère est celui qui t'a dit la vérité, et non celui qui te flatte, et ton ennemi est celui qui te ment en donnant un pain beurré. Le courtisan dépend de ses courbettes. Quatrièmement, monsieur le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, réellement, refusez de voir ce que tout le monde voit, c'est le début de l'idiotie. Dire oui à ce que tout le monde dit non, c'est la preuve du sophisme qui gangrenait l'Athènes à l'époque de Socrate. Monsieur le bâtonnier, voilà comme votre décoration
que nous vous remettons en récompense de la bravoure dont vous faites preuve. Et nous vous promettons notre soutien infaillible pourvu que vous teniez la même ligne de conduite qui vous attire les adhésions faisant continuellement gonfler votre audience. Nous disons merci. C'est votre droit le plus légitime de revendiquer votre droit. Ça se passe dans des pays arabes et vous avez aussi le droit de le faire. Ce que moi je vais vous demander, je vais vous accompagner, rentrer chez vous. Et après, moi, je vous dirai quoi. Je pense pour le moment, j'ai compris votre souci. Le reste, vous pouvez compter sur moi. Je ne vais jamais changer. Merci. Très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer cet engouement? Je pense que je suis aussi étonné comme vous. Prise en otage, je ne pense pas. C'est un signal fort que la majorité doit comprendre là où j'ai fait partir. Et je pense qu'ils ont exprimé leur volonté et nous devons tenir compte de ça. C'est ce qui est important. Alors, on a dit sur l'état du corps, c'est écrit non à la révision constitutionnelle. C'est ces gens qui sont venus vous rendre visite aujourd'hui. C'est déjà quoi votre position? Ils sont simplement venus vous voir. Est-ce que vous êtes avec eux? Moi-même, j'étais étonné. Chaque jour, je pars au parc. Je devais sortir. Mes collaborateurs m'ont dit de ne pas sortir. Effectivement, moi, j'ai dit non à la constitution. Et je l'ai dit encore ouvertement, on ne doit pas changer la constitution, même pas un point. J'aime le président Kabila, s'il a quelqu'un d'autre, il n'a qu'à nous le présenter et nous allons le soutenir. On ne doit pas violer la constitution. Et vous savez, les Katanga, c'est son fief. Si ça doit partir d'ici, ça devient un danger. Et j'aimerais qu'il y ait la paix. Il y a beaucoup d'investisseurs ici. Et les autres, ceux qui sont en train de faire à Kinshasa, ce sont les gens qui ont changé de parti politique, qui ont vu plusieurs présidents. Ils ont dansé les sakayons, ça. Nous, on ne veut pas ça. Mais tous, vous avez suivi ce que les jeunes ont dit. Le président Buyoya, je sais que c'était un militaire qui avait fait un coup d'État et puis il a été élu.
Et aujourd'hui, il fait la fierté du Burundi puisqu'on l'accepte. C'est ce que nous voulons aussi de notre président. Et je pense que c'est très important. C'est pour cela que nous, on dit, niet, on ne veut pas ça. Et nous, on dit, niet, on ne va pas changer. Il ne faudrait pas me dire, non, c'est puisque je vais être dans les gouvernements. Non, ça ne m'intéresse pas d'être dans les gouvernements. Je suis bien assis. Vous venez de me voir, je suis là. J'ai fait mes champs, j'ai fait la pisciculture. Je suis à l'aise et j'aimerais franchement que le peuple puisse se retrouver. C'est ce qui est important. Excellence, vous avez été surpris par les jeunes. Alors, c'est quoi vos sentiments par rapport à ça? Moi, je pense que c'est un signal fort. Un signal très, très fort. Et il faudrait qu'on puisse y réfléchir. Et moi, j'aimerais franchement, puisque le gouverneur de la province, c'est sa province, il vient de m'appeler, oh, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, bon, vous devez tenir compte des mouvements des jeunes. C'est très important. Et je lui ai dit la vérité. Je dis, moi, je vous dis la vérité. Ou vous comprenez ce que les jeunes, la population aimerait, ou vous allez vous entêter. À un certain moment, ça va nous amener vers le chaos. C'est ça le problème. Alors, on comprend bien dans votre engagement, vous voulez accompagner ces gens qui ont déjà compris la réalité des choses. Mais est-ce que vous pensez à vous seul, vous allez y arriver ou bien... Non, ce n'est pas à moi seul. Voilà. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas à moi seul. Je suis conscient, même vous, vous êtes avec moi. Vous comprenez? Vous êtes avec moi. Le problème, nous avons l'obligation d'aider les chefs de l'État. Et je pense que c'est ce qui est important. C'est primordial, on comprend, c'est souvent le combo. Je ne vais pas prendre les autres slogans ou quoi, mais ce qui est vrai, nous avons tout intérêt que le Congo soit comme l'Afrique du Sud, que le Congo soit comme l'Amérique. Vous savez, nous avons un très bon pays. Moi, j'ai eu la chance de voyager un peu partout. Moi, je ne peux pas envier les Européens. J'envie les Américains, j'envie les Sud-Africains. Et j'aime bien mon pays. Nous pouvons tout faire. Vous allez avoir du travail. On peut tout faire. Mais si vous voulez qu'on arrive, qu'on puisse atteindre notre objectif, nous avons l'obligation de mettre de l'ordre dans notre propre pays. C'est tout, c'est ce qui est important. Vous savez combien de Congolais sont à l'extérieur? Quand on prend l'Afrique du Sud, nous sommes une troisième force. Je ne sais pas vous dire en Belgique, nous sommes les premiers. Je ne sais pas vous dire à Paris et à Londres et partout. Mais nous devons être forts, c'est-à-dire nous devons être là. Regardez-moi aujourd'hui, nous sommes envahis par les Chinois, par les Indiens et les Libanais. Et vous pensez, vous trouvez ça normal? Moi, j'ai dit non. Nous devons avoir des institutions, une institution très forte. C'est pour cela que j'ai dit, nous devons aimer notre pays. Et quand nous allons le faire, nous allons être heureux. Je vais te dire une chose. J'aimerais que ton fils, si moi j'envoie mon enfant à Paris, que tu sois aussi capable d'envoyer ton enfant à Paris aller étudier. Et pourquoi pas l'envoyer à Paris? Pourquoi pas construire des universités dignes de ce nom ici au Congo? Mon frère, c'est ça l'importance. Je vous donne l'exemple du Liban, avec l'ancien Premier ministre Harari. C'était Harari. Il envoyait les Libanais aller étudier à Paris, partout au monde. Il revenait au Liban. Et il était très fort. Ce sont des pays qui se développent. Et nous avons beaucoup de Libanais qui sont ici chez nous. Mais quand ils viennent ici, mais ils n'investissent pas ici. Il y a d'autres maintenant qui sont en train de les investir ici. Mais ils allaient investir chez eux. Mais nous devons comprendre ça. Regarde-moi aujourd'hui, nous avons des Indiens partout. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Nous devons avoir des institutions stables. C'est ce que nous voulons. Mais pourquoi vous voulez changer la constitution? Pour voler?
Ces gens-là qui veulent qu'on change la constitution, c'est parce qu'ils ont des intérêts. Leurs intérêts, c'est quoi? Leurs intérêts, c'est égoïste. Il n'y a que eux. Et vous, les peuples, vous ne comprenez pas. Moi, Muyambo, avec les peuples, j'ai dit non. Moi, Muyambo, Kabila, c'est mon frère, j'ai dit, je vais l'aider. C'est ça mon combat. Alors, excusez-moi, on sait que les politiciens, il y en a beaucoup, mais très peu sont ceux qui ont le courage de dire ce que, de prendre cette position en ce moment. Est-ce que vous pensez que vous êtes assez nombreux ou votre coalition pourra tenir? Parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il y en a de ceux qui veulent assez que on change la constitution quand même, ceux qui ont les intérêts notamment, comme vous l'aviez dit. Vous savez, je vais être pragmatique. L'opposition dit non. Dans la majorité, on est divisé. La société civile n'est pas avec nous. Vous comprenez la suite. Tu veux que j'ajoute encore quoi? Merci. Merci, je vous remercie.